c'est un événement immanquable. Ron Mueck, le maître de l'hyperréalisme, revient dans la capitale avec cette exposition totalement démesurée. Et pour cause, la Fondation Cartier nous a réservé ici une surprise de taille en invitant dans son écrin de verre des pièces rarissimes, absolument troublantes. D'emblée, nous sommes confrontés à cet amas de crânes géants, une composition macabre nommée Mass, empilant une centaine de sculptures XXL dans un memento mori écrasant, nous mettant face à l'immense fragilité de nos existences. Une première mondiale en dehors de l'Australie. Dans cette rétrospective phénomène, l'artiste s'amuse à repousser les frontières du possible. Nous nous surprenons à tourner autour de ce nouveau-né si réaliste qu'il en deviendrait presque effrayant. Sa petite peau fripée, ses yeux encore clos, son expression contrainte, comme un agrandissement monumental de nos arrivées dans un monde un peu brutal. Puis viennent ces chiens menaçants qui nous feraient presque reculer. Mais non, nous restons ici, incapables de détacher notre regard de ces sculptures obsédantes. Troublante, cruelle et sarcastique, l'œuvre de Ron Mueck ne laisse pas place à l'ambiguïté, passant à la loupe chaque défaillance de notre société. Alors soyez prêts et laissez-vous hypnotiser par ces personnages parfaitement imparfaits, aux proportions monstrueusement anormales et aux rougeurs affreusement banales. Finalement, autant de témoignages d'une humanité à la dérive qui nous touche en plein cœur.